Quelle est ton impression, Mehmet, quelle est ton impression depuis que tu travailles ce matin avec moi? Ben, un changement. Ben, pour dire que, exemple, ben, je suis venu avec les chiens, un qui était devant, un qui était derrière. Puis si ça continue comme ça, je peux partir du principe que je pourrais mettre les deux dans le coffre. Ça sera autant plus agréable pour moi que pour eux, le voyage. Qu'est-ce que tu as appris en venant me voir là depuis ce matin? Est-ce que j'ai appris? Ben, c'est qu'en fait, on croit qu'on sait dresser un chien, mais en fait, non. Non. Ça, c'est ton ressenti? Ouais. Bon, en fait, avant de vouloir dresser un chien, fallait que j'apprenne déjà à me redresser moi. C'était plus simple. C'est bien que tu reconnaisses. Et cette situation avec tes chiens là-bas, à moins de 40 mètres de toi, couché, pas bougé? Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hein. Ben, écoute, dans le cas que je vis moi, je ne peux pas croiser un chien. D'accord. Si je croise un chien, il faut que j'aille un peu plus loin pour que l'autre, au moins, puisse passer tranquille. Ok, ça, mais c'est, là, ça c'est pas possible. Là, c'est ce que tu faisais là. Hein. Tu rigoles quoi. D'accord. Il aurait déjà mordu à 4 reprises. Okay. Ça fait 3 semaines que je vivais un enfer. Ouais. Parce que ces chambres séparées, balades séparées, tout séparé quoi. Ben, moi, je viens de Suisse. Puis je suis venu, ben, en fait, ben, lui, ça fait 7 ans que je l'ai. Et ça fait 3 ans que je l'ai. Voilà. Ben, en fait, mon problème était que ce monsieur a attaqué la dame qui était ici. Ok. Comme ça. Ah. D'accord. Avant. Donc une configuration comme ça, en fait, il y a... Depuis tout le temps, depuis les 3 semaines de bagarre, où c'était pas possible, même avant la bagarre. Avant la bagarre. Même avant la bagarre, elle pouvait pas être avec un autre chien qu'elle connaissait pas, ni avec une autre chienne. Après. Ok, tes évaluations numéro 1 sur le deuxième chien qui est le mâle. Donc on va pouvoir voir déjà la différence entre la sœur qui est passée juste avant et voir si le chien se comporte de la même façon, ou s'il est plus chaud, s'il va hésiter ou pas hésiter à mordre, etc. Non. Voilà, bien. C'est bien. Pas touché, pas bouger. Non. Bien, mon chien. Pas touché. Au pied. Bien. Ah, t'as si. Ah, si. Très bien, mon chien. Ça, c'est du bon travail. Bien. Pas touché, pas touché. Oui, bravo. Pas touché, là. Allez. Pas touché, batte, non! Bien! Ça c'est bien, non, pas touché, non! Assis, voilà, bien! Pas touché, hein, au pied! Voilà, au pied, bien! Pied est gentil, lui, pas touché! Non, pas touché, c'est bien! Voilà, c'est le calme! Mais avant, ils étaient comme ça, je te jure, il y en a qui. Il y en avait toujours un ou l'autre. Non, mais voilà. Ok, on va aller droit au but. Avant, c'était comme ça. Avant. D'accord. Avant. Et entre avant et maintenant, qu'est-ce que tu as fait de changement? Rien. Donc,
Le problème, c'est pas tes chiens. Le problème, c'est le comportement de l'humain vis-à-vis de tes chiens. Si tu peux me dire, ça fait combien de temps que t'as pas mis tes chiens dans la bagnole comme ça ensemble? 3 semaines. 3 semaines. Pas bouger, pas toucher. Là, au pied. Au pied. Tourne à gauche, tourne à gauche. Le patou, tourne à gauche, au pied. Voilà. Impose-toi, c'est bien. Assis. Très bien. Assis. Assis. Pas bouger. Bien, Ménette, ça commence à être mieux, tes commandements. Comment ça. Bon, dis-lui, t'as du mouvement. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Ouais. Non, pas bouger. Bonjour. Pas bouger, pas toucher. Pas toucher. Stop. Assis. 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 Pas bouger. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector « Le chien de vous à lui ». Et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Ramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.